Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2020. Donc le premier signe qui est ressorti, c'est le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire taureau. N'hésitez pas, quand la vidéo sera disponible, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc voilà votre tirage, on va découvrir tout d'abord le message des fées pour vous. Nous avons la poussière d'étoiles, donc là on retrouve le chiffre 35. Donc le chiffre 35, si on associe, on retrouve le chiffre 8 qui va représenter l'infini, qui va représenter également tout ce que l'on désire, tout ce que l'on souhaite. On nous parle pour vous les taureaux de prémonition, communication galactique, début et fin. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond, on voit cette couleur violette. Donc pour ce mois de juillet, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir approfondir des ressentis, des intuitions, des choses que vous canalisez. Il y a vraiment des messages importants qui vont vous être apportés avec cette carte. Alors, l'énergie principale, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça nous parle de chance, ça nous parle d'opportunité. Donc, pour vous, il y a vraiment un cycle de vie. Si on nous parle de cycle de vie, on nous parle de quelque chose aussi au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a une étape, il y a quelque chose qui est franchi. Et on voit également avec la roue de fortune que c'est le moment pour vous de pouvoir saisir une chance, de pouvoir saisir une opportunité. Donc là, l'univers va vous envoyer quelque chose pour vous apporter vraiment, pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer. Mais je pense qu'aussi, il est question d'un cycle important de votre vie. Avec cette carte, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte un cycle important. Donc, il y a un mouvement aussi avec la roue de fortune. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se mettent en place. Donc, ça, c'est plutôt positif. Alors, on va poser la carte ici. Hop là. Donc, je sais pas si vous la voyez bien, vous ne la voyez pas entièrement. Alors, on va commencer pour voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de juillet. Nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est à sa place. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui a des projets, qui a des idées. Donc, j'ai vraiment le sentiment pour vous, les taureaux, que vous rentrez dans une énergie avec beaucoup de créativité. Vous vous sentez réaligné à des énergies aussi et vous êtes plein d'ambition, vous êtes vraiment réaligné au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous souhaitez, vous êtes à votre place avec cette carte. Alors, on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. Nous avons le cavalier d'épée. Alors là, on voit vraiment, on voit qu'il y a du mouvement avec cette carte. D'ailleurs, on retrouve ce mouvement avec la roue de fortune. Alors pour vous, pour ce mois de juillet, l'énergie qui ressort, c'est l'action. C'est l'action, c'est le mouvement, c'est les idées, c'est les projets. Vous avancez vraiment par rapport à ça. Il y a des actions que vous mettez en place et on sent vraiment que vous êtes déterminé à mettre en place des choses. Je sens qu'il y a une accélération aussi. Il y a une accélération, il y a des choses qui avancent. Parce que ici, vous êtes réaligné à vos ambitions, vous êtes réaligné à vos projets, à vos désirs, à vos souhaits. Donc, il y a vraiment quelque chose qui avance pour vous dans la matière. Alors, on va voir quelle est votre force. Pour ce mois de juillet, c'est l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est une opportunité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir saisir. Là, on nous parle vraiment de gains. Alors, sur le plan matériel, ça peut être aussi une rentrée financière. Vous pouvez aussi être dans un projet qui va demander des finances et là, c'est quelque chose que vous recevez au niveau financier. Mais ça peut être également au niveau matériel. Vous recevez quelque chose, donc vous commencez quelque chose qui va vous permettre de mettre des projets dans la matière, dans l'ancrage, créer de nouvelles choses, ancrer les choses pour vous. Donc c'est vraiment une très belle carte. C'est aussi une carte qui va nous parler de réussite, d'abondance, d'une main tendue vers vous. Il y a quelque chose qui va vous aider à avancer dans vos projets. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. On a la reine d'épée. Alors, je pense qu'il y a ici, pour vous, les taureaux, il y a peut-être beaucoup de réflexions. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Donc ici, en fait, on vous dit, pour pouvoir créer de l'abondance dans votre vie, dans vos projets, il est important que vous puissiez, comment dire, ancrer votre réflexion. Parce que la reine, ici, d'épée, c'est une reine qui est,
quand même qui a beaucoup de mental, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup et qui fait preuve de vraiment de réflexion importante. Donc j'ai l'impression que ce qui peut vous bloquer, c'est quand même le fait d'analyser les choses, le fait de trop analyser des situations. Vous voyez, vraiment, on vous dit de vous détacher un peu de cette analyse pour que vous puissiez avancer. Même si c'est important de pouvoir analyser les choses, mais de prendre du recul par rapport à ça. Alors, le conseil, c'est le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ici, va nous parler de reconnexion à la terre, à la nature. On vous conseille, les guides vous conseillent ici, de vous reconnecter au plaisir de la vie, à ce que vous pouvez engendrer comme mouvement. Vous reconnecter à la simplicité, à quelque chose qui parle dans votre cœur, qui parle dans vos aspirations. Il y a réellement des désirs avec cette carte. On vous conseille de laisser parler vos désirs, vos aspirations profondes et pouvoir vous reconnecter à vos sens aussi. On va voir également quel est le défi pour vous. Le défi, c'est le cavalier de coupe. Alors, on a quand même deux cavaliers, on va voir ici, mais il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous. Avec les cavaliers, ce sont des messagers. Donc là, je pense que le défi, c'est qu'il va y avoir une action qui va être mise en place. Vous allez mettre en place une action. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose de très émotionnel aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vibre en vous. Et ici, on vous dit de prendre le temps nécessaire, de prendre le temps de réfléchir aux choses et de pouvoir vraiment, comment dire, stabiliser quelque chose au niveau émotionnel, c'est-à-dire reprendre le contrôle des choses et pouvoir ancrer aussi les projets que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. On a le 10 de bâton. Alors, vous êtes arrivé à la fin d'une étape ici. Le 10 de bâton, c'est quand on a porté une charge lourde, c'est quand on a porté des choses qui ont été difficiles à dépasser. Et là, on voit vraiment sur cette carte qui est représentée, on voit que vous avez eu des expériences de vie qui vous ont enrichi, qui vous ont apporté des choses, mais des choses aussi qui ont pu être difficiles pour vous. Donc là, on vous dit, c'est le moment pour vous de déposer ces bâtons, d'arriver à cette fin de cycle et de pouvoir aussi vous détacher des situations de blocage, des situations qui ont entraîné des limites. Donc cette carte, elle vous parle vraiment de quelque chose qui prend fin pour aller vers du mieux, pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif pour vous. Alors, la surprise, c'est le magicien. Donc ici, le magicien va nous parler de nouvelles idées, ça va nous parler de commencement, ça va nous parler d'imaginaire, de magie aussi, de créer la magie dans ses projets. Donc là, on vous dit, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir créer, pour pouvoir entreprendre, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Vous avez la capacité de faire émerger des choses, de créer des choses. On sent avec cette carte aussi la passion, on sent le désir, les aspirations profondes. J'ai oublié de vous dire ici, on a eu le 3 de bâton qui est ressorti en dos du paquet. Le 3 de bâton va nous parler de découverte. On voit ici cette personne qui regarde vers l'avenir. Donc vous êtes tourné vers le futur, vers vos ambitions. C'est ce que je ressens vraiment pour vous. Vous êtes à une étape de votre vie où vous plantez les bâtons ici et vous regardez vers les projets que vous pouvez mettre en place. Alors, au niveau général, nous avons le 7 d'épée, nous avons le valet de bâton et nous avons les amoureux. Alors, au niveau général ici, ça, c'est certainement en lien avec ces bâtons que vous portez. Parce que pour vous les taureaux, je sens qu'il y a eu quand même un sentiment où vous avez été, vous êtes senti pris au piège en fait. Avec le 7 d'épée ici, vous êtes senti pris au piège dans une situation et vous avez quand même du mal à équilibrer les choses. Ici, il peut y avoir une difficulté à équilibrer les choses. Mais malgré tout, il y a quand même de l'espoir. On vous dit ici que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir des situations qui ont été difficiles pour vous. Vous faites émerger ici de nouvelles idées, du potentiel. Donc on vous dit que vous avez la capacité ici de pouvoir surmonter ces obstacles, ces situations d'échec, parce que le 7 d'épée, c'est des situations qu'on a vécues difficilement, qu'on a portées. Et là, en fait, on vous offre une opportunité de pouvoir avancer par rapport à ça. En plus, nous avons la carte des amoureux. Les amoureux, c'est le choix. On vous dit, vous avez le choix. Vous avez l'opportunité de faire émerger de nouvelles choses. Le choix vous appartient, la décision vous appartient. Vous avez la possibilité d'entrer dans une nouvelle énergie.
Et c'est aussi une carte qui va nous parler ici de décisions importantes, de choix de vie, de libre arbitre, vraiment reprendre le contrôle de ses projets. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale pour vous. Alors, on va développer pour voir un petit peu au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, au niveau sentimental pour vous les taureaux. Donc, je vais prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Nous avons le Monde. Alors, on va voir avec quelle carte elle se suit, parce qu'ici, on peut nous parler de blocage que vous avez rencontré avec le Monde. Alors, la Coupe. Nous avons le Bouquet et le Cavalier. Donc ici, il y a un cadeau qui se présente à vous. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des difficultés, mais là, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Avec le Cavalier, c'est l'action. Vous passez à l'action. Vous mettez en place un nouveau mouvement. Vous reprenez le contrôle des choses. Ici, on nous parle de cadeau. Donc, il est possible aussi que pour les personnes célibataires, vous ayez quelqu'un qui va vous apporter un cadeau. Ça peut être également une rencontre. Ça va symboliser en tout cas la visite d'une personne, le fait de se voir, de partager des énergies ensemble. Ici, il y a quelqu'un qui vous rend visite et on voit également un cadeau, quelque chose qui vous est apporté. C'est aussi la générosité. Donc, vous pouvez aussi avoir des discussions dans le partage, dans la transmission, dans la connexion à l'autre aussi. On va développer pour voir ce qui ressort avec le tirage pour vous au niveau sentimental. Alors, je recoupe, on va poser les cartes. On a l'ours. On a l'encre, on a les chemins, la lune, les nuages, le cavalier, le mont, l'homme et l'anneau. Donc ici, en plus, on a le cœur. Donc là, vraiment, au niveau sentimental, je pense que c'est une période où vous avez des doutes. Vous avez des doutes avec les nuages, vous êtes un peu confus. Il peut y avoir un sentiment d'incompréhension par rapport à une situation. Tout dépend de ce que vous traversez, bien sûr, mais là, il est question de reprendre, de faire des choix, de mettre en place des décisions. En tout cas, ici, avec les cartes, on voit qu'il y a une visite. Donc là, il y a un homme qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi une femme qui a une énergie masculine. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous allez pouvoir vous ancrer. Par rapport à des situations qui ont apporté quand même de la contrariété, des confusions, on a quelque chose de très profond avec la lune ici. On a vraiment des ressentis importants, des choses qui viennent à nous. Et je pense que c'est aussi votre intuition qui va vous porter pour pouvoir dépasser ces situations de blocage, ces situations qui ont créé des obstacles dans votre vie. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive pour vous, pour les personnes célibataires, mais on peut également nous parler d'une nouvelle dynamique au sein de votre vie sentimentale, de resserrer les liens, de partager des moments ensemble, parce qu'on a quand même des cartes très positives ici. Je pense qu'il y a un choix de vie pour vous, il y a des décisions qui sont prises pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir trouver vraiment, en tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment de l'attachement. C'est de l'attachement, c'est un lien important. Et avec l'ours ici, on va parler également de se sentir protégé. Se sentir protégé, se sentir guidé, épaulé. On vous dit ici, c'est important de faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions. De vraiment faire vibrer les choses à l'intérieur de vous. Donc, il est question ici de votre chemin de vie. Vous êtes en train de vivre des choses qui sont en lien avec votre parcours, avec votre mission d'âme. Et on nous parle ici de mouvement, d'une nouvelle dynamique. J'ai le sentiment ici qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à un engagement. Parce que l'anneau et le cœur ici, en plus on a les étoiles et la clé. Donc on va vraiment nous parler ici au niveau du cœur de quelque chose de très profond. Je vais quand même rajouter une carte, des cartes ici sur les cartes des nuages et du mont. Pour voir qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qui est un peu confus. Alors. Donc le blocage. Alors ici,
Pas le blocage, la confusion. On a une femme. Il me faut une autre carte. On a la tour. Donc, je vais développer après pour vous dire. Ensuite, sur le mont, on a le livre. Et on a l'arbre. Alors ici, en plus, on a le cœur qui ressort encore une fois, alors que ça a été bien mélangé. Donc, on voit qu'il y a de l'amour quand même ici. Hein. Vraiment, de l'amour profond, de l'amour fort. Je pense qu'ici, en plus, on a les deux personnes. On a le couple ici qui se regarde. Donc, ici, il peut y avoir certaines confusions entre deux personnes. Il peut y avoir des choses à éclaircir. Je pense que ça va être un mois aussi où on vous invite à prendre de la hauteur par rapport aux situations. Après, on peut nous parler d'une femme. Si vous êtes une femme ou si vous pensez à une femme, on peut nous parler d'un sentiment d'isolement. Il peut s'agir d'une personne qui se sent seule, isolée, qui a un sentiment d'abandon, qui a le sentiment d'être rejetée. Donc, il y a vraiment quelque chose de très profond qui va amener vraiment à prendre conscience de certaines choses, pouvoir prendre le recul nécessaire. Alors ici, j'ai le mont, le livre et l'arbre. Donc, je pense qu'il y a eu des blocages. Mais c'est comme si, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que vous vous êtes senti bloqué, mais vous avez gardé les choses en vous, profondément en vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement senti submergé par vos blocages que... vous n'avez pas forcément exprimé les choses, vous les avez gardées en vous. Et c'est ce qui a pu vraiment approfondir le blocage, ce qui a pu vraiment bloquer la situation. Ce que vous ressentez, pouvoir vraiment avancer par rapport à ça. Ensuite, on a l'arbre. L'arbre, ça va nous parler ici de quelque chose qui est très profond dans vos racines. Donc, il y a le fait pour ce mois de juillet de pouvoir se reconnecter à ses racines, à ce que l'on ressent au plus profond de soi. Donc ici, on va vous inviter à exprimer des choses, pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et mettre en place un choix, une décision qui parle dans votre cœur. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, nous allons voir au niveau de vos projets de manière générale et aussi au niveau professionnel. Ça peut vous parler par rapport au travail. Donc j'ai décidé de prendre le 77. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. Pour les taureaux, quelles sont les énergies? Ah, on a la femme ici. Alors, au niveau de vos projets et au niveau de votre carrière, si vous travaillez ici, on nous parle de douceur, on nous parle de sensibilité, d'intuition, de ressenti profond. Si la femme, ça représente vraiment donc la partie féminine, la sensibilité, quelque chose de doux aussi. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort. On va couper pour voir la coupe. Nous avons l'abondance et nous avons l'automne. Alors, ici pour moi, on va me parler pour vous les taureaux d'un projet important qui demande du temps. Parce que ici pour moi, il y a un aboutissement et ici j'ai l'automne. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. On va regarder les cartes ici. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions par rapport à vos projets que vous souhaitez mettre en place. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'analyse des choses. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du H. On a le point d'interrogation. On a la lettre, le oui, le cœur et en énergie principale, on a, vous voyez, j'ai ce sentiment que vous revenez en fait sur, vous pensez à un projet de cœur ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Vous réfléchissez par rapport à ça, vous vous posez des questions. Il peut y avoir de fortes émotions aussi qui vont revenir à la surface. Des choses qui ont besoin d'être régénérées. Mais j'ai le sentiment que vous tournez une page importante de votre vie. Parce qu'il peut y avoir le sentiment de rechercher quelque chose, de chercher à sortir d'une situation. Ici, on voit des doutes, on voit des questionnements. Il y a de la communication, il y a des échanges importants par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes passionné.
Et ici, avec le oui, on va nous parler d'un projet positif, d'un projet qui aboutit. Je pense qu'ici, il y a une reconnexion à l'intérieur de vous pour pouvoir faire émerger des choses. En tout cas, avec cette carte, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous submergent. On sent que vous êtes peut-être dans une énergie à fleur de peau, où il y a vraiment des émotions, qui refont surface. Mais ici, on voit une nouvelle qui arrive pour vous. Je vais juste rajouter une carte. Oula, les cartes ont sauté. Alors, ici, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Je pense que pour certains, vous allez avancer dans quelque chose qui parle dans votre cœur. Vous allez vraiment avoir besoin d'en parler autour de vous. Il y a vraiment quelque chose qui parle dans votre cœur ici. Et on a peut-être ici une situation où on tourne une page en fait. On tourne une page par rapport à ces projets. Il est possible aussi que vous ayez des écrits qui vous amènent justement, vous recevez des écrits par rapport à votre carrière ou par rapport à vos projets. Et là, on va fêter quelque chose. Donc, j'ai le sentiment que vous attendez des écrits peut-être pour fêter quelque chose, pour passer à une nouvelle étape de vie. Donc là, il y a des écrits qui arrivent pour vous permettre de tourner une page. Il est possible aussi qu'il y ait eu des blocages au niveau de la communication. Et je vois qu'ici, vous allez vraiment mettre un terme à certaines choses. Vous allez vraiment passer à une nouvelle étape de vie pour pouvoir réancrer les choses. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage. Donc voilà les amis, au niveau professionnel et au niveau de vos projets. On va voir maintenant avec l'oracle des chakras, quelle est l'énergie pour vous, quel est le conseil de vos guides, quel est le conseil pour les taureaux. Nous avons le pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors ici, il est question pour vous de passer à une nouvelle étape. En fait, on vous dit que le lâcher prise va être important pour vous permettre de vous sentir plus apaisé par rapport à une situation, de ne plus subir les choses, mais de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et de vos projets. En acceptant ici, d'évoluer par rapport à une situation, de grandir, de pouvoir vraiment franchir une nouvelle étape de vie, vous allez vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. Et ça va apporter des éclaircissements dans votre vie. Ici, on voit cette femme qui souffle sur cette fleur. Donc, c'est vraiment le fait de libérer des émotions pour vous faire émerger des choses que vous ressentez en vous. On va tirer une carte de l'oracle des anges pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Pour les taureaux, quel est le message ? Allez, on coupe. Nous avons le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Il est possible que pour vous, les taureaux, vous ayez des sensations importantes dans votre corps, dans vos mains, dans vos ressentis, dans vos perceptions. D'ailleurs, on le voit avec cette carte ici. On voit qu'il y a des prémonitions, qu'il y a des ressentis importants. Donc, il peut s'agir aussi d'une guérison qui se met en place. C'est aussi le fait de pouvoir apporter de l'aide aux autres, pouvoir épauler les autres personnes aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de juillet pour vous les taureaux. Et je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.